Bienvenue à tous, alors pour la suite de notre let's play Dragon Ball Xenoverse, et on retrouve notre ami Bakayalo. Notre ami Super Saiyan. Comment ils appellent ça? Patrouilleur du temps. Salut Tolinks. Alors, depuis la dernière fois, comme il y avait un petit souci sur les quêtes secondaires, je les ai avancées légèrement. Donc là, il doit nous en manquer une. On avance dans le mode histoire. Les 1 étoile, on a tout fini. Il y a encore les 7 étoiles. Et donc, on va reprendre là où je m'étais arrêté hier soir, c'est-à-dire sur l'arc Commando Ginyu. Alors je m'excuse si je parle un peu du nez, mais j'ai eu un petit souci de crise d'éternuement. Alors c'est super gênant. Alors donc il faut retrouver notre ami Trunks. Le Killing Ice Spot, et ben tout ce qu'on va gagner c'est de partir direct à Baby et au GT. Allez, c'est parti. Ah, c'est vrai qu'on était dans la peau de Guignot. Si on se remet en état de cause. On s'était arrêté là-dessus, il fallait buter 20 gardes. Voilà, on était sur la mission vaisseau furtif de Guignot. Et donc, il faut battre 20 mecs. Et le problème, c'est qu'on se faisait toujours carotter parce que y a toujours un des deux crétins. Donc qui est Gohan et Krillin. Il se faisait buter. Allez, on va essayer de finir ça assez rapidement. Alors ça devrait pas être plus facilité, mais non, parce que j'ai pris juste un level depuis hier, mine de rien. Alors j'espère que ça va passer, pas bien, parce qu'on va pas se retaper ça à l'émission super chiante là. Ah, il est pas KO, on a tapé en même temps. Allez, un au moins. Oh. T'as rien appris tes parents? Pourquoi ça casse pas sa garde, allez? Ah, je crois que je l'avais pas chopé. Enfin, ce qui me dérange en fait ici, c'est le côté vaisseau. On est un peu les trois et on n'a pas une bonne visibilité. Mais non, mais le mec se retourne et il tape de l'autre côté. Apple. J'ai pas commandé d'iPhone, laisse-moi tranquille. Allez, c'est le troisième celui-ci. Ben, Guan il est déjà en train de prendre cher. Allez, un autre en moins. Mais non, mais pourquoi tu tombes à ce moment-là? Là. Pas assez de dégâts la chope. Quoique ça va encore. Allez, encore un en moins. Par contre, ça met trop de temps des fois à changer. Ok, reste tranquille. Mais non, je me prends dans son coup. Allez, ils en ont buté un. Faire gaffe à Gohan.
Oh. Calmez-vous bien. Chope-moi cette saloperie. Ah, il est rentré dans la pièce, ça c'est pas bon. Franchement, rien à battre, je vais aller d'abord chercher les autres. Mais non. Mais non, pourquoi il a pas TP? Ah mais c'est horrible cette caméra. Il y a des choses qui changent pas dans les DZ par contre. Hein. Ils auraient dû mettre un plan fixe dans ces endroits-là. Je pense que ça aurait facilité la vie à tout le monde. Allez, encore en moins. Cabana là, Copacabana. Meurs s'il te plaît. Voilà, donc on a la fuite de Guldo. Et Krillin, il est toujours avec ses Dragon Ball. Allez, encore un en moins, ça c'est bien. Occuper un peu de Guldo. Fuir mon gars. Ouais, il taille. Putain, Krillin, il a pris super cher. Bon, voilà, j'ai fait fuir Guldo. Guldo-sama. Krillin déconne pas, c'est pas bon. Contre Navel. Ok. On tape pas dans le dos des gens, je t'ai dit. Putain, où est-ce qu'ils sont? Putain, 20 c'est un peu long quand même. Ça fait très barbare quand même, tiens. Dans le genre furtif. Et où est-ce qu'ils sont les deux? Mais crève, faut-moi la paix, sérieux. Cette caméra qui tourne pour rien. Allez, on y croit. Voilà, j'ai shooté l'autre avec. Non mais moi je veux descendre.
Voilà, je veux sortir si possible. Ok, au moins. Là, Apple. Mon petit Apple. Mais non, mais pourquoi il a tapé là-bas, lui? Mais viens ici, mon petit. Mais genre, celui qui me tape. Truc de ma gueule. C'est un crénin, il est en critique. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. On se fait carotter. Voilà, meurt. Que j'aille m'occuper de notre le nouveau, il est où? Ben, ils sont partis jusque là-bas. Ok, j'ai eu le deuxième avec. Ça, c'est plutôt bien. Essaye de rester en vie, bande de petits cons. Ah, c'est bon, c'est passé. Yatta, yatta. Ah, bah. Ah non, même pas. On n'a même pas pris un level. Il nous manque un peu moins de 200 points. 150. 169. Ok, passons à la suite. Au moins on avance. On va se terminer l'arc Ginyu. Bat tous les ennemis, retour en force et en forme. Pardon. C'est vrai, mais c'est moi, mais c'est pas moi. Bon, déjà. Ça avance. Par contre, tous les ennemis, donc s'il n'y a pas Ginyu, il reste qui déjà? Il reste qui, j'ai oublié. Gouldo, il n'est pas mort. Ah, je vais pouvoir récupérer mon corps. Ça fait zizir. Ah, ça a repris le cours normal. Ginyu a pris le corps de Goku comme c'était prévu. Ah bah voilà, c'est ce que nous dit Trunks. Mais normalement, ça aurait dû être lui à la place de moi. Viens ici. Ah, il va me saouler avec ce skill. Ah, ça me fait plaisir en tout cas de retrouver mon perso. Dragon Ball. この体さえあればすぐに取り戻せる。今回のお仕置きは何にしてやろう。よかった。
Viens ici, petit gars. Ah, je fais de la merde. Et changement de phase. On va se débarrasser plus d'eau si on peut. Ce sera déjà fait. Ah, il nous a encore bloqué. C'est bon, on a plus de bulles d'eau. Faut que je fasse gaffe à son sort d'explosion de bol. C'est super dangereux ce que je fais. Viens ici. Bon. Voilà. Ok. Ça, c'était de la carotte. Voilà, donc logiquement, on a fini l'arc Guignot. On va pouvoir s'attaquer à l'arc Freezer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Alors, je vais aller vers le nid du temps histoire de prendre mes points. Ok. Alors, personnaliser, améliorer les attributs. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Je vais mettre un super frappe, super Kiko, parce qu'il n'y a pas de points. Je vais monter la santé au niveau de l'attaque. Ouais, histoire d'égaliser un peu. Et la prochaine fois, je mettrai dans l'attaque. Je pense que je mettrai peut-être 2 points. Dans l'endurance, ça sert. Bien sûr que je veux repartir. Et donc logiquement là on a dû débloquer la mission 2 étoiles. Oh, j'avais pas prévu.
Donc voici une partie des méchants qui sont en travers de notre route. Ah, j'allais dire, il va pas faire que se protéger, le mec. Non mais le mec il connaît que la garde. Quand même. Pourquoi l'esquive marche pas? Allez, mettez au smash comme ça. C'est bon, il a enlevé sa garde. Oh, raté la garde. Ah, l'enfoiré, il m'a chopé. Avec toute la violence. Ah, enfoiré. Là, par contre, je peux plus me protéger après ce coup. Et c'est lui qui m'a chopé. Ah, je suis deg. Il m'a esquivé sans le vouloir. Ça a fait un saut en arrière. Ah, j'ai merdé. Bon, sachant qu'il faut pas lui virer toute sa barre. Non, c'est bon, on vous a assez vu, Mila. On est là pour lui défoncer sa bouille. Je vais pas me faire chier. Il continue à se protéger. Pendant qu'il parle. あなたがギニューと入れ替わっちゃったの。なかなか傑作だったわよ。これはもう間違いないようですよ。この二人が今回の犯人です。余計なことをしてくるからには、よほど腕に自信があるんだろう。見せてみろ。 Ah, ça y est, va se défendre. On suit sa gueule. Non, tu t'es pas rien du tout. On a pris un petit avantage. C'est plutôt bien ça. Viens ici. Voilà, c'est bon. Je crois même qu'on lui a mis un perfect cette fois-ci. À moins qu'il m'ait effleuré une fois. Alors on a eu le rang et ça fait zizir. Konna mono ka. Kitai hazure da. Omoshiroku mo nai.
もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてできるわけないわよね。そう、だんまりなの。Mais non, je peux encore parler. Qu'est-ce que tu racontes, toi? まあいいわ。ミラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだ。ね。casserai la gueule, ouais. さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。Je ne suis pas un humain, je suis un Saiyan. 私たちの邪魔をしたら、すぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。OK。Donc on connaît nos deux méchants.今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただ者じゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来のね。T'es alors bien au courant, Kaioshin du temps. 時の海王神様。トワは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。そしてミラはトワが作り出した最強の最悪の戦士。あいつらはさまざまな時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界の封印を解くつもりよ。Intéressant. Ça recoupe l'histoire principale. Donc Dabla qu'on voit dans l'arc de boue.封印が解けたらどうなるんですか。やばいさ。世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も時間も無事には済まないでしょうよ。C'est moi ou elle est ridiculement petite? C'est maintenant que je m'en rends compte. とんでもない奴らじゃないですか。Ah ouais, elle m'arrive à la ceinture.Il y a une enfant. Il n'a que n'aura pas mon nom, Akuninte. Izen, Tokino Su en Otote, Jiku au Shihai Shiotosta, Tondemonai Yatsuga Itandakedo. Konoke Haiwa. Que se passe-t-il? Cet endroit est tenté. Sonna.早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。OK。Bah, dis-le, me prépare. Ta-na-na.Alors, allons faire un tour en ville.
Alors j'irais bien faire une petite quête secondaire déjà parce qu'on pourrait prendre un level. J'ai peur Bou avec des tentacules. Mais le problème j'ai peur d'avoir le souci d'hier. Les serveurs qui synchronisaient pas et j'ai dû reset à chaque fois à cause des classements. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Allons voir un peu en ville. Déjà peut-être que mon maître a une nouvelle quête. Parce que comme on a vu, on peut pas avoir plusieurs maîtres en même temps. Je serais bien tenté d'avoir des techniques un peu plus maléfiques façon Majin. Genre avoir des Kiko un peu violets. Je trouve assez stylé. Boutique d'accessoires. Alors ici, il n'y a pas grand-chose. Mais non, mais moi je reparle. Là-bas, il y a les boutiques de vêtements. Alors je sais qu'il y a des trucs qui donnaient... des stats en plus, voilà genre ça. Tenue de combat de Thalès. On perd en super Kikoa, on gagne en santé. Ça c'est sympa par contre. Mais bon. Tenue des héros. Alors ça, je sais pas ce que c'est, qui de gravité debout, c'est pas pour nous, c'est pour les Majin. Comme on peut le voir en haut, on a classement par classe. C'est le cas de le dire. Ouh, ça donne par contre. Boost. Ça augmente à max l'attaque de base, super frappe, super coco. Pas mal, pas mal. En même temps, après, ça coûte cher, forcément, pour pas qu'on les achète direct. Ce serait tellement trop simple. Bon, de toute façon, ça, on n'a pas encore les moyens. On va aller voir vite fait les techniques. Qu'est-ce qu'il est, Jaco? Il était ici, il me semble, la dernière fois. Ah non, il est dans la... dans le quartier suivant, là où il y a les quêtes secondaires. Et là, normalement, objet. Où est-ce que c'était les skills? Ah, ici, ils vendent des âmes Z. Ah, le problème, c'est que les capsules, je sais pas capter. Faudrait que je regarde. Ça pourrait me servir, ça. Pas mal ça, je peux récupérer d'un chaos. Voilà, là il y en a pas mal. Alors ça c'est l'équivalent du Kaioken. Ça je l'ai déjà. Yamcha, Tenshinhan. Gohan. Ouais. Pas le genre de truc qui m'intéresse. En tout cas pas pour l'instant. J'ai raté les skills. Ah, c'était là-bas tout au début. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attaque spéciale.
pas encore retrouvé. On n'a pas débloqué encore des trucs terribles. Allez, on va aller voir vite fait Jaco. Jaco. Alors il est là-bas. Ah, il y a Ronald McDonald. Alors il y a Pan, mais le problème c'est qu'il faut que je finisse avec lui avant si je veux faire ses quêtes de maître. Et lui il a toujours pas. Ah bah il fallait lui parler en fait. Badge M Satan. Donc c'est une 2 étoiles. On a le niveau vu qu'on a entamé les quêtes. Alors je crois qu'il y a 5 quêtes au total par mètre pour débloquer ses capacités. Alors Oh. C'est moi ou Jaco il fait rien là. Cet escroc qui est la vie. Ah, saloperie. Il fait peur. Lui. Dans sa face. Allez, un peu de chop. On a plus beaucoup de temps. Faudrait peut-être que je me dépêche. Et là, c'est le quatrième qui arrive et j'ai pas encore tué la deuxième. Calmez-vous bien. Ah, il m'a bloqué, petit enfoiré. Le Randall.
Ah, mais j'ai enlevé mon... ma visée. Ok, hein, au moins, il reste Randall. Viens ici, Randall, faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de vie. Ah, il m'a arrêté juste devant lui. Pas le droit à prendre trop de risques. Non, je me suis arrêté devant lui. Voilà, tape-le. Encore. Ah, mais il n'y a plus beaucoup de temps. Ils sont combien? 3? Eh ben ouais, voilà, je me suis fait carotter. Ah ouais, j'ai perdu trop de temps et en même temps il me restait 20 secondes. C'est tendu. Bon, on a quand même pris un level. Ah là, il va encore me clasher, Jaco. Tais-toi donc, espèce de petit enfoiré. Ne manque pas de respect. Alors, j'avais dit comme ça. Alors, on va monter quand même la santé. Merci pour le follow. C'est très gentil de ta part. Alors par contre, en voyant ça, je vois que justement, le CLR a un peu de mal avec avec mon boot. Il se rend en conflit, ce qui fait que j'ai plus le nom, à moins qu'il se soit mis à droite, ce petit con. Et que j'ai pas vérifié. Ok, ça me paraît bien comme ça. Alors je vais juste en profiter pour couper la vidéo ici et je vais retenter sa quête. Pourquoi il m'a allumé la carte lui, petit con.